Carte vous est présentée par le Club de golf Royal Québec, le plus vieux club de golf en opération dans la région métropolitaine de Québec. Au cours des dernières semaines, nous avons eu l'occasion d'en apprendre davantage sur l'histoire du golf à Québec, alors que nous avons visité notamment les installations de golf tradition présentées dans le cadre du 400e anniversaire de la Ville de Québec. Cette semaine, nous vous amenons sur les installations maintenant permanentes depuis 1928 du Royal Québec, et nous faisons l'historique de ce club, et nous allons visiter le terrain en compagnie de Richard Laflamme, un ex-président. D'abord, on va faire une historique parce qu'on est allé voir Golf Tradition qui représentait les débuts du Royal Québec. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que les plaines ont demandé au golf de quitter, Richard? Alors, c'est ça. En 1908, à l'occasion du tricentenaire de la Ville de Québec, le cadeau du gouvernement fédéral à la Ville fut de créer un parc public. C'était en su le site. Le premier site, en fait, d'origine du Royal Québec. Alors, donc, les membres d'alors ont dû trouver un nouveau site pour leur activité de golf. Ils se sont déplacés en 1916 à ce qui était connu comme étant le Kentas, qui est maintenant le site de la chute Montmorency. On peut, si on reluque une photographie aérienne, même actuelle, du Kentas ou de la chute Montmorency, revoir facilement la perspective au moins de trois des allées d'origine qui sont du côté sud de l'avenue Royal. Cet élément a duré jusqu'en 1928, alors qu'en 1928, les terrains où nous sommes présentement ont été acquis et que le terrain, le parcours royal, a été construit. On a joué plusieurs années. Au début des années 50, un premier 9 trous additionnel a été réalisé. Et à la fin des années 50, il a été complété pour devenir le parcours Québec. Alors, techniquement, le parcours royal se trouve à l'intérieur des limites du club, alors que le parcours Québec le ceinture. Le club a reçu la commission royale de la part de la couronne britannique au début des années 1900. C'est une reconnaissance royale qui nous permet d'arborer les armoiries et de la couronne et de notre club respectif. Cette association des royaux à travers le monde compte tout, d'au-delà de 100 quelques clubs. Il y en a 5 autres ici au Canada. Et tout le monde arbore avec fierté cette reconnaissance de la part de la couronne britannique. Il y a des gens qui se sont mis en évidence ici, illustrés, des Québécois également. Quand on parle du Royal Québec, on ne peut pas passer à côté du nom des Huottes. Parce que c'est collé au golf à Québec, ce nom-là. Et c'est clair que non seulement c'est collé au golf, mais c'est également collé à la tradition du Royal Québec. Il faut savoir que la famille Huotte, 8 frères Huottes, se sont presque tous illustrés dans le domaine du golf, particulièrement ici au Royal Québec. Rodolphe Huotte a été un des professionnels qui ont marqué l'histoire du club. Par la suite, son fils Rodrigue lui a succédé. Et maintenant, c'est le petit-fils de Rodolphe, Nicolas, qui est le professionnel en titre. Cette famille de Huottes, Jules en particulier, ont œuvré tant sur la scène internationale que la scène nationale. Jules en particulier participant, entre autres, au premier Masters en 1934. Le parcours royal est un parcours dit de type country. C'est donc un parcours qui est inséré à l'intérieur d'une végétation naturelle. C'est un parcours qui n'est pas excessivement long, mais dont la particularité est que la cible est particulièrement petite. La majeure partie des vers du parcours royal, des vers d'origine, n'ont guère plus que de 3000 pieds carrés. Les particularités physiques, le parcours est traversé d'une rivière, la rivière Ferré, qui nous permet des points de vue exceptionnels et dont la caractéristique principale, c'est qu'elle meurt sur le terrain, c'est-à-dire que à l'extrémité nord-ouest du terrain, la rivière s'engouffre dans les grottes de Boischâtel et disparaît complètement. Voici une particularité physique que l'on se doit de souligner. Le parcours Québec, quant à lui, de facture un peu plus moderne, un tributaire de l'architecte Watson dans les années 50, est un parcours au coefficient un peu plus difficile. Il n'est pas tellement plus long que le parcours royal, mais la précision
que ses coûts nécessitent. Et le fait qu'étant construit sur le pourtour, il est encore dans un domaine encore plus boisé. Alors donc, il devient un défi de taille pour le golfeur, quel qu'il soit. Maintenant, quand on fait notre tour dans le chalet principal, on peut vivre une belle expérience dans l'histoire du golf. On peut s'attarder. C'est un véritable musée à certains endroits. Le club peut s'enorgueillir d'avoir encore en sa possession une collection assez impressionnante de trophées. Certains datent du début des années 1900. Un en particulier date de sa toute grande origine en 1874, qui est le trophée remis à chaque année aux équipes à la compétition Royal Québec, Royal Montréal. Certains leur ont, par exemple, le trophée Duc de Kent a été remis par le Duc de Kent en 1934. Un club qui a le bénéfice d'avoir l'âge du nôtre a su conserver plusieurs de ces éléments caractéristiques de son histoire, et ce, au grand bénéfice des joueurs et des spectateurs actuels. Le site a cette qualité exceptionnelle de n'être à proximité d'aucune grande voie de circulation. Évidemment, on le garde dans le but de le transmettre aux générations futures, comme il nous a nous-mêmes été transmis par nos anciens.